super match en finale contre Pablo. Voilà, je savais que c'était un très bon joueur, il m'avait battu il y a 2 semaines, donc je savais qu'il fallait faire un super match. Voilà, j'ai su le faire aujourd'hui en finale, donc très content de toute ma semaine aussi à Marrakech. C'est un pays que j'adore, c'est une ville incroyable et j'avais déjà fait demi-finale ici et j'avais vraiment envie de faire mieux. Donc voilà, un titre, c'est le deuxième de ma carrière, donc vraiment heureux ce soir. Pour moi, tout a été très 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 bien et c'est vrai que la demi-finale contre Joe, mais aussi le premier tour, était très difficile. C'était des gros matchs et je suis content de m'en être sorti, de m'être accroché, d'avoir gagné. Et du coup, pour la confiance, c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver en finale, de bien jouer contre Joe. Je l'avais jamais battu, je le bats. Là, je joue Pablo en finale et j'arrive à faire un super match. Donc pour moi, c'est très encourageant pour la suite de la saison. Essayer de remonter au classement, c'est ce que je fais en gagnant cette semaine. Je vais me retrouver dans les 50 premiers, donc ça faisait longtemps. Maintenant, essayer de continuer sur cette lancée, essayer de gagner encore beaucoup de matchs et me rapprocher mon meilleur classement qui était 18e. Oui, il y a eu vraiment, on a eu cette année vraiment un très très beau tableau avec des gros noms, la tête de série 1, Zverev. Depuis la création du Grand Prix Trophée à Saint-Deux, on a jamais eu un joueur top 10, même top 5. Donc voilà, on est vraiment avec Aziz Tifnouti, président du Royal Tennis Club de Marrakech et le comité, on a vraiment été très heureux d'avoir un si beau tableau. Le tennis amène toujours des surprises. Zverev perd au deuxième tour contre Munar, un jeune joueur espagnol qui a fait un gros match. Après, voilà, c'est le tennis. Et puis la surprise de voir Benoît Paire remporter le titre. Il avait mal débuté son premier tour et finalement en demi-finale et en finale il joue vraiment un tennis juste magnifique. C'est un joueur vraiment que j'adore parce que c'est un joueur très talentueux et contre Andujar que je voulais féliciter aussi, le joueur espagnol qui a remporté déjà 3 titres, 3 Grands Prix, Trophée à Saint-Deux et une finale. Donc vraiment, je voudrais le remercier du fond du cœur parce que c'est vraiment un joueur qui est super, super sympa et qui joue avec le cœur et qui se plaît ici au Maroc. Donc je voudrais le féliciter et le remercier de revenir chaque année. À Marrakech, les joueurs se sentent très très bien ici. L'organisation est, comme ils l'ont dit, voilà, ils ont été vraiment satisfaits. L'hôtel est proche du club, le club est juste magnifique, l'aéroport aussi n'est pas loin, donc tout ça, ça joue dans la faveur de Marrakech. Donc pour le moment, on a fait la plus belle édition cette année à Marrakech, donc voilà, on espère que l'année prochaine, ça restera à Marrakech. Il va lever le trophée officiel.